Et salut tout le monde, c'est Joueur et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Life is Strange. Donc on se retrouve là où on s'était laissé la dernière fois avec notre petit skater qui s'était cassé la gueule. Donc ouais, bah on va continuer notre petit tour ici, puis donc après on pourra se diriger vers les dortoirs. Lui on peut lui parler. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Bah, ouais, pourquoi pas, avec plaisir. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Comment il dit ça? Putain, mon dieu. On dirait un malade. On va lui poser des questions. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Tu m'étonnes. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Ah bah j'espère que c'est quelqu'un de bien. Allez, commence à dessiner, s'il te plaît. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute. Alors. Oh, that's a good posture. Oui, donc sinon j'ai lu pendant le mon off le son lycée. Good. En fait c'est un lycée où il n'y a que des terminales, en fait c'est que des terminales, il n'y a pas de seconde ni de première. Ah, oh, joli le dessin. Best portrait ever. Eh ben, je crois qu'on aimerait tous avoir le même coup de crayon que lui. Cette action aura des conséquences. Ouais, là, tu envoies là-bas. Yo, yo, yo. Il y a un tag. Clever. Vantes Club. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Hello? Max, I don't feel like talking. Okay. Qu'est-ce qu'il y a, frère? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him? Pas vraiment. Not really. Pas trop que j'en dise parce que sinon. Sounds like you know way more than that, Max. Tell me. Nope, he's just an entitled dick with a lot of money. Not my type. Somebody needs to take that prick down. Oh, il finira par faire une erreur. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Eh, salaud! J'aimerais bien faire quelque chose, mais frère, si je te dis à toi, qui me dit que tu vas pas me niquer derrière? Let's talk later, ok Max? On va le dénoncer, enfin on va essayer, je vais voir ce que ça fait. Hello? Max, I don't feel like talk. Allez, on passe. Qu'est-ce qu'il y a? What? Nathan Prescott. Yes, he's. You know. Bon, je l'ai dénoncé. I busted him today with a gun. What? Oula! Seriously. I saw him wave a gun around today, and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Ah. Finally, karma comes to Blackwell. I'm glad you told me that, Max. Let's talk later. Cool? Mec, j'espère juste que tu vas pas me niquer en retour, hein. Je te le dis, mais garde ça pour toi, hein. Fais pas le con. Bref, les dortoirs, c'est par là. On va finir, il reste plus qu'il y avoir. Alors, album photo. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos. Attends, on va parler. Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. Voilà ce que tu dis, Max. You have to answer a simple question. Oh putain! Who photographed the famous fallen soldier? Euh.
Je sais pas. Il y a deux Robert. Robert Doisneau? Je sais pas, ça me paraît bien comme nom. Isn't it Robert Doisneau? Oh ah, non. My. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. Ah merde. No portfolio peak for you. Bon bah. Sauf que tu sais pas qui je suis. Regarde, try again. Hey Evan. Let's see if you're. Bon bah on va essayer Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about trop, that photo. Là, je crois, hein. My, my. Ah non, c'est ça, je l'ai. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Allez, regardons. Ah, d'accord, il a pris des photos de Rachel. Alors, 2000... je vois rien du tout, 2012. Attendez, je regarde sur PPR. Ah, je crois que c'est 2012, il me semble. Je vois pas trop. Ça va être 2012. Bon, allez, on va aller au dortoir. Le drone qui passe. Allez au dortoir de l'académie. Alors, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Par contre, là, je vois plus mon chrono. C'est bon. Ok, des mecs qui jouent au basket. Et à la balle. Au football américain, c'est ça. Ce jeu a vraiment des bonnes musiques, par contre. Quoi là? The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Ah putain! Ah merde! Ah ça c'est con ça! Ça c'est quoi? Ok, c'est pour aller au campus principal, ok. Est-ce que je peux monter dans la. Non. Elle est pas aventureuse. Je sais pas si ça se dit. Bah y'a un totem. Hey! Hey, Logan Robertson. Brut américaine pure souche. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Toi, t'es complètement con. Quel totem là-bas? Je vais aller le voir. Totem. Regardez. Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Ok, d'accord. Et tu prends pas en photo? Non. Bon, d'accord. Nice, bro. Merde, je passe pas là. Salut. Football, Max. Big football. Step away. Ok. Mec. Belle. Glad to see our campus is eco-friendly. C'est cool ça alors. Coucou. Hi Kate. Hey Max. T'as pas l'air bien. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything? Max, I'd like to be alone if you don't mind. I'm sorry. Oh, ouais, ça va vraiment pas elle par contre. Max. Get a clue. Ok. Ok. Quand on est curieux là. Oh, photo. Awesome. C'est quoi qu'il a avec lui du soda? Attends, je vais voir le truc. Il écrit quoi là? Mes cartes. Hein? C'est écrit quoi? Gros plan. Attends, c'est. Je vais voir la photo. Elle est là-bas. En fait, à mon avis, toutes les photos là doivent représenter un succès. Donc il me reste 6 photos à prendre. This is going to be too damn cute. Ah. At least it's not a cat picture. Pas une photo de chat. Samuel. Good old Samuel. Some people are creeped out, Samuel. Well, hello. Oh, la voix. Vous avez l'air occupé. You look busy, Samuel. Awesome. I'm always up to something. Today it's sweeping, then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber. You can't color over that sunlight. Sweet. Connaissez Rachel? You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Qu'est-ce qui t'est arrivé? What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Okay. Samuel looks forward, like a clock. T'es quand même chum comme gars, mec. C'était quel genre de personne?
What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. T'es quand même chelou comme mec. Est-ce que tu savais que quand je touchais la nuque comme ça, c'est-à-dire qu'on mentait? Ouais, à plus tard. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Ce jeu pas. Pourquoi il répète ça? Arrête de le répéter. Où est-ce qu'on va? Elle est morue. On va lui parler à elle. Oh. Hi, Max. Comment ça va? How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading chiclet. Good point. Now if you'll excuse me. Tu parles un peu du nez, meuf. Bon, allez, poubelle, c'est quoi? Il y a des abeilles dans celui-là. Des mouches. Glad to see our campus is eco-friendly. Bon, tu dégages. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. No. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean processor. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your glasses out of my way. Échelle. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Victoria. Samuel. La porte là était pas ouverte tout à l'heure. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Non, non, non. Ok, ça ah, c'est une remise. Ok, d'accord. Ah bah, prends pas haut. Là. Allez, Victoriette, on se bouge. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Ouais, t'inquiète pas, Maru. Nice, bro. Pourquoi on en monte ça? None shall pass. Passe pas, compris. Capiche? Putain. She looks like a pissed off wet cat, rangée. And she's still stylish. Je suis sûr qu'il y a un truc avec l'échelle. Samuel, descends de là. Si je remonte le temps, vous appelez. Alors Samuel est toujours en haut. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec l'échelle. I can't grab that. Samuel is way too close. Là, trafiqué. Vite, vas-y. Dépêche, il arrive. Puis les autres mourus à côté, elles ont rien vu, foutez de ma gueule. Ok, let's see. Par contre, elles ont pas bougé, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille réactiver le truc. Hein? Voilà. Je prends l'eau sur la gueule. Sam va monter. Putain. Ah, c'est dégueulasse. Oh, Samuel. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked.
Don't mess with Max, joli. Bitches. Bitches. Bah alors, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, Victoria. What do you want, Max? Se moquer, réconforter. J'aimerais bien me moquer. Mais... Attends, c'est pris de la peinture sur la gueule, quoi, le pauvre manteau. Ah, putain. Bah, au pire, si on peut remonter dans le temps, je ferai les deux choix. On va la réconforter, puis si on peut remonter en temps, je me moquerai. Allez. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. Essaie d'être copié. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and... Ah, bien! ...and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Ah, peut-être qu'on a réussi à les faire devenir copines. Victoria probably played me. Attends. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Ouais. Mais bon, là pour le coup, moi, je sais pas si elle est remontée dans, si t'es remontée dans son estime. Mais bon, on verra bien. Pour le coup, au moins, c'est excusé et puis elle a supprimé la photo. Il y a plein de trucs là. Ardoise. Room 217. Pas moins, no way in hell am I ever going in here. Red room. Allez, allez, hop, 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 on se dépêche, allez, hop, hop, hop. C'est écrit, Taylor is alive. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly, as if. Genre. No boys. C'est écrit. Juliet, extreme reporter. Dane is still a cheerleader at heart. This girl must have been popular. She's everywhere. Ouais, mais normal, elle a disparu. Pas loin d'affichage. Could be fun. Bien sûr, je vous laisse le lire. Glad I'm not the only. Thanks for the warning. Je vous laisse lire. Ça, c'est les douches. Oh, papier toilette, mais pourquoi c'est là? Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Parce que des fantômes. At least that's an alarm from this century. Au moins, on aura juste appuyé dessus s'il y a quelqu'un. They live. Okay, this is just mean and stupid. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Will bang for Jesus. Ah, on va dessiner. P. Exactement. Taxon, on aura des conséquences. Cool. À 222, mais je sais pas qui c'est qui habite à 222. La porte, elle est ouverte là. C'est écrit. Oh, Victoria, give me a fucking break. Attends. Be the change you wish to see. Alors attends. Gandhi. Tu changes si tu essuies cela, non? Une carrière comme ça? Je suis pourri en anglais, hein, je vous le dis. D'accord. Trois carrés. Trois carrés, trois quatorze. Overbrook. They're perfect for each other. Hippie. Ah, c'est pour au pied, c'est-à-dire miel peut-être. Miel. Tarte. But what's this poster really trying to tell me? Ok. Ok. Chambre de Max. Ardoise. How sad. I didn't write dessine anything. Alors. I have nothing to say. Max. Bref.
Voici la chambre. Home sweet home, my favorite cocoon. Biscuit. Pas manger? Non. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Okay. Les vêtements. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. En parlant des vêtements aussi, ça me fait rappeler quelque chose. En lisant son journal, j'ai vu qu'en fait, elle était originaire de la ville de cette ville. Je vais jouer de la guitare après. Et qu'en fait, ses parents, elle, ils sont partis à Seattle pendant 5 ans. Elle, quand elle est partie, en fait, elle avait une copine qui s'appelait Chloé ici. Mais pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Enfin, je sais pas, on l'a pas encore revu. Et puis donc, je disais, ouais, donc un jour, donc elle a envoyé sa lettre donc pour venir dans cette école-ci. Donc cette école-ci, ils prennent donc que les terminales. Et donc ce jour-là, elle a eu la lettre pour venir. Enfin bref, tout ça c'est écrit dans le journal et c'est vraiment bien à lire. Enfin, faut le lire pour comprendre un peu l'histoire aussi. Ça rajoute comment dire. Ah bah tenez, voilà Chloé. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Bon bah voilà, on voit un peu sa gueule. Non, enfin sa gueule, pardon, excusez-moi, sa tête. Donc Chloé, voilà, bah j'en parlais il y a 2 minutes quoi. Donc Chloé, voilà, sa meilleure amie. Ouais. Elle est classe la photo. Et voilà quoi, en fouillant un peu, chaîne Ifi, allumée. Hey, de la musique. Cartier-Bresson, Thoreau, donc ouais, du coup, moi je vous invite à lire le so journal. Cheesy, but it makes me smile thinking of the day mom and I sewed that together. Donc si vous voulez lire, c'est dans le premier épisode. Hein. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my... Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Photo. Moi j'étais en train de repenser. Les musiques, du coup, ça va mettre un strike sur YouTube, c'est pas grave. The Max Caulfield photo maman envoie un message. Provisoire m'a envoyé un mail, il paraît que tu as raconté des histoires. Quoi? Foutez ma gueule! Invraisemblable à propos d'un excellent élève de Blackwell. Mais c'est pas un excellent élève, c'est un malade! C'est vrai? Non, c'est pas vrai, maman! Le proviseur m'a dit que tu prenais ces accusations mensongères au sérieux. Bah oui! Il s'inquiète pour toi, appelle vite. On en parle, bisous, maman. Mais maman, putain! Le mec, c'est un malade! S'allonger, il avait écrit. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. J'espère que c'était pas un rêve. Enfin pour elle. Allez, on se lève. On va éteindre la musique parce que ça commence à être chiant. Enfin, je sais pas si on peut faire la guitare au-dessus, donc éteins, voilà, s'il te plaît. Il va jouer la guitare là. Allez, vas-y Max.
Les gens, on va se laisser sur cette petite musique de Max faisant de la guitare. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère aussi que la série vous plaît. Moi, c'est un jeu vraiment que je trouve excellent. Déjà, c'est un jeu que j'attendais énormément quand j'en avais entendu parler. Je le trouve génial, ce jeu. Enfin, j'adore y jouer. J'adore vraiment ce jeu. Il est vraiment bien. C'est comme un peu, comme les Walking Dead, Game of Thrones. C'est toujours des jeux, c'est des point and click, mais c'est des jeux vraiment bien, quoi. Là, j'adore, on est pris dans l'histoire. C'est ça que j'adore dans ces jeux. Ça pourrait être un film, en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser. Et puis, donc, restez comme vous êtes. Vous êtes super. Et je vous dis à la prochaine.